Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Une campagne de vulgarisation de produits dérivés d'anacarde a été lancée. En Côte d'Ivoire, la loi punit le bruit. Et au Sénégal, Sonko condamné, la situation se détériore dans le pays. Et c'est parti pour la campagne dénommée la fête des mères en cajou. Cette campagne, qui se déroule du 31 mai au 3 juin prochain, va permettre aux habitants de découvrir les différents produits dérivés de cajou et ses vertus en vue de les intégrer dans l'alimentation. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le mercredi 31 mai à Cocody. La première édition a pour thème l'anacarde, ça se mange et c'est bon pour la santé. La noix de cajou contient justement des acides gras qu'on appelle des acides gras monoinsaturés. Ces acides gras monoinsaturés sont des acides gras qui permettent de protéger le cœur et qui permettent de diminuer le taux de LDL qu'on appelle entre guillemets mauvais cholestérol. Il est très riche en cette substance-là. Et évidemment, comme c'est un végétal, il n'apporte pas de cholestérol. C'est clair, il n'y a pas de cholestérol là-dedans. Et donc, en réalité, on peut en consommer sans risque justement d'augmenter son taux de cholestérol au niveau de l'organisme. À l'initiative de cette campagne, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, en collaboration avec le Conseil du coton et de l'anacarde. Elle a pour but de vulgariser et promouvoir la consommation locale des produits dérivés de la noix de cajou. Ici, c'est le lancement. Mais nous aurons organisé plusieurs campagnes sur tout le territoire national, à travers différentes thématiques, pour permettre à chaque localité de découvrir les produits dérivés de l'anacarde et d'intégrer dans leur alimentation. Nous pensons que si chaque Ivoirien, habitant de Cocody, consomme 100 grammes d'anacarde par jour, je pense qu'on va consommer une très bonne partie de ce que nous produisons. Au menu de cette activité, il y aura entre autres des expositions de produits, des cooking shows et des dégustations de mets à base de cajou. Il est envisagé des campagnes sur tout le territoire national, y compris les communes d'Abidjan, avec des thématiques comme Tabaski en cajou, Pakinou en cajou, Indépendance en cajou. La musique, ça, c'est pas bon. Voilà, on peut diminuer juste un peu, mais quand c'est trop exagéré, c'est pas bon. Ça nous dérange, mais ils disent que c'est des grisous. On fait quoi? Soyez rassurés, la loi est de votre côté. En effet, ce bruit qualifié de nuisance sonore est défini comme toute atteinte à la santé des êtres vivants, de leur fait ou non, par l'émission de bruit. Elle peut également être définie comme un trouble par des bruits qui, au-delà d'un certain seuil auditif, constituent un événement anormal. En son article 1, alinéa 10 du décret numéro 2016-791 du 12 octobre 2016, portant réglementation des émissions de bruit du voisinage, ces nuisances sonores sont répréhensibles. Et aujourd'hui, un projet de loi dédié pour plus d'impact est sur la table du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Le ministre dispose aujourd'hui d'un décret présidentiel qui met en place une brigade pour sillonner un peu notre cité. Mais ce cours de la vie a comblé le vide qui était derrière parce qu'il n'était pas soutenu, n'est-ce pas, par une loi dédiée. On se basait sur un autre code pour créer ce décret. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'interdire tout bruit, toute nuisance de tout ordre qui puisse gêner le voisin. Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, ce sont 1235 contraventions qui ont été servies et 20 établissements provisoirement fermés de septembre 2011 à ce jour. Ailleurs dans la Côte d'Ivoire, à Gagnoa, dans le Grand Guidiga, Guibérois, Dignago, Galébré, le village de Dalié-Guépa, situé à 5 km de la ville, a procédé à l'investiture de la présidente de l'association dénommée Les Filles Unies de Dalié-Guépa et de son bureau exécutif. Légalement constituée, elle a pour objectif de donner la grande place à la femme qui est la sienne et de réunir tous les fils et filles pour un développement durable et inclusif du village. Le parrain Céry Michel, opérateur économique et natif de Gagnoa, soutient cette initiative. Nous devons reconnaître la valeur de la femme et lui donner la place qu'elle mérite. Nous devons la protéger, la respecter, la soutenir.
devons lui donner les mêmes opportunités, les mêmes droits et les mêmes privilèges que les hommes. Devant l'ensemble des autorités de la région du Gor, la chefferie traditionnelle du canton Zabia et la tribu Tabia, la présidente Osé Caroline, nouvellement investie, demande l'implication de tous pour la réalisation des projets déjà pressants pour un bien-être des populations. L'un des enjeux majeurs pour notre village est la construction d'une maternité. Il ressort que le développement à travers les femmes est encore plus sûr et l'exemple de Dalié Guépa doit être suivi par les autres villages. Et hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, la situation se tend. Des violences meurtrières ont éclaté le jeudi 1er juin dans différents quartiers de Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Dans une déclaration dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 juin, le ministre de l'Intérieur a fait état de 9 décès à Dakar et à Ziguinchor. Accusé de viol, Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, une peine qui compromet encore davantage sa candidature à la présidentielle de 2024. Depuis le début de cette longue procédure en février 2021, Ousmane Sonko a toujours dénoncé un complot pour l'écarter de la présidentielle. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info.